Xylonen, ma chère et tendre. Bon, je vais pas vous mentir, je suis dans une sauce de malade. 5, 10... Ah ouais, je suis à 9, ok, je suis à 9. En fait, l'objectif... Bah, on va essayer d'aller la chercher, évidemment. Mais l'arme est tellement cheatée, à la base, voilà, je me suis dit, bon, il faudrait pas passer à côté. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, niveau invocation, c'est un peu terrible. Si je fais boutique, primogème, d'ailleurs, on va convertir ça, bam. Du coup là ça fait 69 avec la pity. Mais oh là là, mais regardez. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils sont généreux. Non, c'est normal. Là je suis à 64. Du coup plus 9 de pity. On va arrondir. On va prendre les astéries. On va pré-shot direct. On va utiliser les astéries. Là voilà. Ok, et donc là ça nous fait quoi? Ça nous fait 75. Donc là ce qui va se passer, c'est que je vais utiliser du coup de quoi faire une pity. J'ai au cas où du coup encore de la marge. J'ai 35 vues encore de rab pour tenter de grind s'il se passe un problème. Et comme pour ceux qui me suivent depuis un bon moment, j'ai depuis presque un an un pack de côté que j'avais eu gratuitement avec Eneba que je n'ai pas encore utilisé et que c'est que en cas d'ultime recours que je l'utiliserai. Mais bon, le but c'est de pas l'utiliser quoi, je vais pas vous mentir. En fait là je vais pas vous mentir, on est face à un problème de taille. C'est que j'ai gagné 4 50-50 d'affilée, donc statistiquement ça va commencer à devenir très compliqué de gagner un autre 50-50. Je crois que le fait de gagner 4 50-50 d'affilée, t'as que 3% de chance de gagner ton 50-50. Je me dis, si je gagne un cinquième 50-50 d'affilée, c'est vraiment une énorme dinguerie. Genre, au niveau des 4 étoiles, bon, j'en ai rien à battre, je vais pas vous mentir. Je ne joue aucun de ces persos. Mais attendez, je vais voir s'il n'y a pas des constellations, peut-être, pourquoi pas. Ok, bon, je l'ai déjà fait 6, let's go. Dory, elle est où la clocharde du quartier? Allez, c'est 2. Ok, pourquoi pas Dory? Et après l'autre, c'était qui là? Ah, elle est où Candace? Elle est là. C'est 6. Bon, ok. En gros, il n'y a que Dory que j'ai passé 6. Mais bon, j'en ai un peu rien à battre. Franchement, je préfère avoir d'autres personnages que Dory pour avoir des vœux remboursés. Hein. Vraiment. Bon, vous savez quoi? Je vais arrondir à 10. On arrondit. Voilà. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Et là, go. Du coup, on part sur 20. Ce qui serait exceptionnel, ouais, mais non. C'est que je fasse une early, au moins, voilà. Si je perds un 50-50, ça aurait été cool, mais du coup, pas d'early, j'ai très très peur. Oh, je vais pas vous mentir, j'ai très peur. Mais ça risque d'être quand même assez expéditif. Là, on a le... En plus, c'est pour avoir Espadon Rituel, c'est terrible. Là où on a le plus de chances, du coup, d'avoir un 5 étoiles de 0 à 75, c'est au tout début. Let's go. Mais putain, mais comment je me gobzoble. Non, c'est trop une dinguerie. Non, c'est trop une dinguerie, ce jeu. Comment j'ai trop de chance, sa grand-mère la folle. Non, c'est une dinguerie, tu fais pas une prédit, si, si. Du coup, je suis à 21. Est-ce que je vais gagner mon 5ème 50-50 d'affilée? Non, en vrai, si je gagne mon 5ème 50-50 d'affilée, c'est vraiment une énorme dinguerie. Franchement, j'en voudrais même pas au jeu. J'en voudrais même pas au jeu si je gagne pas mon 50-50. Parce qu'en vrai, c'est normal. J'y crois mort. 22. Je sais pas quand ça va arriver. 23. J'ai trop peur. J'ai trop peur, je vous jure, j'ai trop peur. 24. 25. Allez, s'il te plaît, encore. 26. Oh putain. 27. Oh putain, elle m'a fait trop peur. 28. Oh, c'est trop... Oh, c'est trop une dinguerie, frère. Oh, c'est trop une dinguerie. Non, c'est trop une dinguerie. Et je peux pas hurler ma grand-mère parce que y a ma copine qui rompiche. Mais 5ème 50-50 d'affilée. Voilà, voici les statistiques de gagner 5 50-50 d'affilée. Non, c'est une dinguerie. Et ben vous savez quoi? Il me reste 54 vœux, mais je vais les claquer là. Je vais claquer une pitié là-dedans. Je suis à combien là? 28. Ok, je suis à 28. En sachant que j'ai déjà l'arme de Shuri. Mais en vrai, l'avoir en double, j'en ai un peu rien à battre. Parce qu'en vrai, c'est une bonne arme, l'arme de Shuri. C'est pas si grave, franchement. Après, ça aurait été mieux si ça avait été une autre arme que j'ai pas du tout. Ok. Là, 38, Jurly. Ah, dommage. En vrai, ça aurait été trop. Et là, mais en vrai, j'ai fait le braquage de Zinzin. Je n'ai pas cette arme. Voilà, je n'ai pas cette arme. Bienvenue à toi. Ce serait aberrant que là, genre, j'aille jusqu'à la pitié et que je tienne l'arme. Si j'ai l'arme, c'est le braquage. C'est vraiment le braquage de chien. Je fais une early et en plus, gagne encore un 50-50. 48. Ok, c'est parti, let's go. Ok, donc là, ouais. Qui a cette arme? Qui a cette... Ah bah excusez-moi, non mais c'est bon. Non mais j'ai notifié un truc de con. Mais je sais, quand je l'ai dit, j'ai pas cette arme. Je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, mais gros, c'est normal que tu n'as pas cette arme. J'espère que personne va calculer, mais évidemment, vous êtes à l'affût. Ok, donc on est à 58. Ok. Bon, sachant que je suis joueur, regardez ce qu'on va faire. On est à 58, on va aller jusqu'à 64, 65. Et OMG. Non, je rigole. Non, c'est bon, la vanne est nulle. Oh, let's go. Nouvelle arme, encore. Encore nouvelle arme. Hop là.
Ok, on va être joueur. On va aller jusqu'à 60. Voir. Ok, un casse-tard encore. Ok, merci la nouvelle arme. Je sais pas du tout si elle, sent, si elle est bien cette arme. Je sais pas du tout si elle est bien ou si elle pue le cul. Mais voilà. Donc là, on est à 60. On va passer à 61. Ok. J'ai eu peur. Je crois que j'avais balancé le règle. J'allais manger mon caca. 62. Et après, je fais une multi. Les vrais hommes. 1-1-1-1-1-1-1. Genre, je sais pas pourquoi je veux tenter la double. Parce que je veux juste faire l'américain. 64. Ok, et là, maintenant je fais une multi. Là maintenant je fais une multi et on laisse l'avenir. On laisse l'avenir juger finalement. Ok, 65. Non, c'est... Non, mais c'est... Je suis béni. Je suis béni sur ce jeu. Je suis béni. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je... Early. 5ème 50-50 d'affilée, gagné. Plus, j'ai la petite arme de Xylonen en légende. Le braquage. Le braquage, sachant que j'ai même pas utilisé mes cristaux primaires que j'ai depuis un an, frère. Non, vraiment, c'est trop une dinguerie, la luck de baiser que j'ai. Non, c'est... Non, en vrai, c'est... Non, c'est trop, c'est trop. Mais vous savez, c'est pourquoi je pense que j'ai fait un braquage comme ça? Je pense que c'est la moustache. Vu que, en fait, je me suis mal rasé, que du coup, j'ai dû tout raser, que je ressemble à rien. Le jeu m'a dit, bon, en vrai, frérot, t'as une tête de neuil. Pour compenser ça, on va te permettre... D'être très à l'aise sur le jeu très facilement. En 67 invocations, j'ai eu Xylonen plus son arme. Est-ce que c'est bon pour vous? Bon, il y a Ujini qui m'a déjà envoyé tout le stuff. Go to faire ses invocations directement. Ok, donc là, actuellement, on est sur le compte de Ujini en détente. Voilà, AR60. Il est bien, c'est un joueur vétéran. Il veut qu'on invoque sur la très chère, très douce Xylonen. Et puis, si tout se passe bien, après, on va aller sur Shiori. Est-ce qu'on va réussir à avoir les deux personnages? Rien n'est sûr, car actuellement, on est en 50-50 et on est avancé à seulement 7 de la pitié. S'il perd sur 50-50, il veut Deia, mais c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut dans tous les cas. Au niveau des 4 étoiles, il a tous ses 6 à part Candace qui est C1. Mais bon, on va pas se mentir. Vu la gueule de la bannière, c'est pas trop ça qui nous intéresse. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir Xylonen, de gagner notre 50-50 et d'aller sur Shuri et de gagner notre 50-50. Voilà, c'est ça l'objectif aujourd'hui. Et ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué parce que là, ça lui fait à peu près 200 invocations. Là, ça fait un peu, il a à peu près 200 invocations. Donc est-ce que ça va le faire? On va voir, on y croit mort. Donc là, du coup, on passe à 27, on ne fait pas d'early. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir pour éviter de trop me perdre dans la tête pour les calculs, ça risque d'être un petit peu relou. On a une Candace, donc les Candace, écoutez, ça fait pas de vœux en plus, mais au moins il a des constellations. Donc là, on va avancer, donc là, on va être à 28, très bien. Là, on va être à 29. Je préfère avoir Sarah ou Chevreuse en 4 étoiles. Ouais, ouais, après, ça risque d'être un petit peu plus rare, qu'on va pas se mentir. 30-30. Voilà, comme ça, c'est arrondi. Très bien. Ok, maintenant, on peut passer à 40. Dommage, on n'a pas fait d'early. Après, notre early est arrivé à 30 tout à l'heure. Donc, ça veut rien dire. Mais voilà, ce serait préférable que ça arrive. Tac. Alors, ok. Bon, une arme. Donc, ça veut dire qu'on est en garantie pour le 4 étoiles. On peut passer. Ok. Donc là, on passe à 50. Et ça ne proc pas, très bien, on peut passer. Oh Dory, on est tellement content de t'avoir ce soir. Merci en tout cas d'être sur la bannière, hein. Tu fais plaisir à tout le monde, sache-le, tu fais plaisir à tout le monde. Ok, d'ailleurs, est-ce que tu veux que je fasse une multi que j'aille à la pitié et que je fasse une multi, ou que j'aille en early dès que j'arrive à la soft? Dis-moi, n'hésite pas à me dire, comme ça je sais un petit peu où on va. D'ailleurs là on a une Cole et une Dory, donc c'est cool, ça nous rembourse des vœux en vrai. En vrai ça nous rembourse des vœux, c'est plutôt pas mal. Là on arrive du coup à 70 en détente D. En vrai, limite, franchement, en 4 étoiles, vaut mieux limite d'avoir des Dory, des collègues, quoi. Comme ça nous rembourse des vœux. Il a combien? Normalement, je fais que des multi, ben go alors. Go, là, on part sur du 80. 80, let's go. Ok, normal, normal que ça proc, 80. Donc là, on part sur du 71, 72, 73, 74, 75. Là, on rentre dans la soft, 76. Allez, pitié. 77. Let's go. Let's go, let's go. 50-50 gagné. Let's go. Et 1, 2, 3, 4, non, 3. Ok, premier 50-50. Oui, let's go. Ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Désolé si je crie pas ma daronne, hein, parce que il y a ma copine qui doit raconter. Mais j'ai vraiment une coupe de Bozo le clown. Je ressemble à Bozo le clown actuellement. C'est une folie. Let's go du coup sur Shuri. Donc là, on va être à 13. Et en vrai, ce serait incroyable.
Ok, ça aurait été incroyable de faire une early en vrai, d'enchaîner sur une early, ça aurait été trop trop beau. Donc là on est à 13, ok. Ok, ok. Très bien. 23 du coup juste ici, après on peut quand même faire une early. Non, dommage, ça proc pas. Ok. Si on gagnait les deux 50-50, en vrai ce serait trop bien. Bon déjà, en vrai de vrai, ça dans tous les cas en fait, sa souris il va l'avoir, il a assez de vœux pour. Mais c'est pas notre objectif d'aller grappiller un maximum. Nous on veut l'avoir le plus tôt possible. Les deux Kolei, qu'est-ce qu'elle est en vrai? Kolei c'est un très beau personnage. Dommage qu'elle soit pas trop cotée. On passe du coup là, il me semble à 43. 43 je crois là on passe. Un truc comme ça. 43, ok. Et c'est là où la tension va commencer à monter. On passe à 53. Ok, ça ne proc pas. Pas d'early. On va arriver à la soft. Mais si on arrive à la soft et qu'on gagne notre 50-50, c'est pas plus mal. 63 du coup et ça ne tombe toujours pas. On skip. Kolei, bonjour à toi. Ça fait plaisir ma soeur. Par contre, voir la vitesse à laquelle les primogèmes fondent, ça me terrifie. Ça tombe trop vite. Là, on part sur du 73. Du coup, ok. Ok, c'est parti. Multi, 83, let's go. Allez, Shuri. Shuri, déconne pas, s'il te plaît. Shuri, déconne pas. Putain, non mais je suis béni. Je suis béni par Oyo. Let's go. On l'a eu à 74 de pity. Ok, bah du coup, tu seras pas mal avancé un petit peu dans la pity. Tu seras à 8. 8 pour tes prochaines invocations. Ma foi, 2,50-50 gagné. Que demander de plus finalement, mon frérot? Regarde-moi ça. Ta Shuri Exilonel pour te régaler. Voilà. Bah écoute, j'espère que t'es content. Je suis grave content pour toi aussi, mon frérot. J'espère que tu vas bien t'éclater avec. C'est le Barry qui régale. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Non, franchement, même moi, j'avoue que ma luck est vraiment aberrante. J'essaierai du coup de mettre, comme j'ai dit, des statistiques hein, pour montrer à quel point j'ai de la chance, parce que bon, gagner 5,50-50 d'affilée c'est vraiment aberrant. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le mot lucky si vous êtes resté jusqu'ici. Voilà, ça m'aidera pour le référencement de la vidéo et également, et ben ça va me permettre de voir qui sont les vrais qui sont restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas également à ajouter à ce commentaire comment se sont passées vos invocations à vous. Voilà, j'espère qu'elles se sont bien passées. Sachez qu'il y aura d'autres vidéos invocations sur Xilonen et Shiori. Voilà, j'ai d'autres personnes à faire passer en live, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo bonus. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, tout ça. Et d'ailleurs, si vous voulez que j'invoque pour vous la prochaine fois, vous pouvez directement postuler sur mon serveur Discord. Voilà, c'est là où les gens postulent pour que j'invoque sur leur compte. Sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, on se retrouve pour de futures vidéos. Ciao tout le monde, bisous!